Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. et aujourd'hui on se retrouve pour faire un Passeport Disney, on profite des vacances. et oui, ça faisait très longtemps, ça faisait depuis le mois de juillet qu'on n'en avait pas fait. Alors, si vous voulez découvrir ce qu'on a déjà fait et surtout découvrir ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire Bernard et puis D'accord. c'est juste après le Générique. Bernard et Bianca. Donc nous avions. Il a souffert un petit peu. On avait eu des bonnes notes. La meilleure note qu'on avait eue, c'était sur Cendrillon. On avait eu Oh, 9,5. génial. Et la pire, ça devait être. Le livre de la jungle, 6,75. Non, là, 6,5, les animaux Disney. Ah ouais, là c'est presque Ouais. pareil. Hein. Donc là, il faut qu'on fasse au moins 6,5. On avait déjà fait Blanche-Neige. On avait eu 7,5. Pinocchio, 7 sur 10. Bambi, 7 sur 10. Cendrillon, 9,5. On aime Mickey, 8,5. Alice au pays des merveilles, 8,5. La Belle et le Clochard, 7. La Belle au bois dormant, 8. Les 101 Dalmatiens, 9. Les animaux Disney, 6,5. Aïe, 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 aïe. Le livre de la jungle 6,75 et les Aristochats 7 sur 10, c'était notre dernier. Et donc là aujourd'hui c'est Bernard et Bianca, qui est sorti en 1977, oula, et oui ça remonte. c'est toute jeune. Donc je vais vous lire le résumé du livre. Son titre original c'était The Rescuers. Rescuers, ok? Au secours. Ouais. Adapté de deux livres de Marjorie Sharp. The Rescuers et Miss Bianca, voici le 29e long métrage d'animation et le premier film à introduire un monde dirigé parallèlement par des souris. L'histoire, je vous l'ai dit. La SOS, Société, sorte d'ONU pour souris, a trouvé le message d'appel au secours d'une jeune orpheline. Penny est retenue prisonnière par la terrible Médusa à bord d'un bateau. Deux souris, Bernard et Bianca, décident de voler à son secours à bord d'un albatros. Et donc là, vous avez l'affiche du film originel. Donc vous voyez. Est-ce que tu peux nous lire ce qu'il y a écrit? Alors, valeur, amitié, entraide. Et Courage. donc c'est les trois valeurs du film. Voilà. Une réplique culte qui est. Société, SOS, Société, nous sommes là pour vous aider. Est-ce que ce film n'a pas été fait pendant une période Attends. où on aidait les animaux? Ouais, Des choses comme peut-être. ça, parce qu'il y a beaucoup des moments. Bah, 1977, Au oui. premier rang, loin du rôle habituel de compagnon faire valoir, les souris sont ici au cœur de l'action. Et voilà. Et donc maintenant, on joue. On a déjà une question de quiz Alors, sur un point. un point. Qui sont les animaux de Médusa? Deux alligators ou deux corbeaux? Moi, je dirais alligator. Oui, je Parce que dirais. là, je vois deux enfants de l'alligator. Voilà, moi, je mets deux alligators. Eh ben, on va tenter. J'espère que c'est pas un piège, hein. On verra à Ça la fait fin longtemps que je notre n'ai pas note. vu Bernard et Moi, je l'ai Bianca. jamais vu. Exercice 1. Qui est qui? On doit relier chaque personnage à son nom. Alors, Alors, on a bah déjà, Penny, c'est la petite fille. Penny, c'est elle? Bah oui, c'est elle qui doit venir sauver. Ok. Ensuite, on. Orville, ça doit être l'oiseau. Lequel? Le premier. Ouais. Logique, Médusa, bah, la femme là-bas, la rouquine. Rufus, Norbert Alors, et Ben. Bah Néon, déjà, Kibutus, et bah, ça doit être les alligators, voilà, parce vu qu'ils qu'ils sont sont deux. deux, On va on a la éliminer même par logique. logique. Il reste Hervé Vande et Rufus. Lui, il a envie, j'ai envie de dire Rufus, je sais pas pourquoi. T'aurais pas Et dit ça, toi? Vinrude, attends. Une vie rude, c'est l'animal qui vole, là, je crois bien. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Et Vinrude. Quelle est la superstition
partition de donc, Bernard. Donc, c'est tout. Attendez. Calm down. Exercice 2. On a un QCM sur... Donc, ça, c'était sur 3 points. On va voir après. Là, on est sur 1,5 points. Première question. Quelle est la superstition de Bernard? Bernard a peur des échelles. Bernard a peur des miroirs cassés. Bernard a peur du chiffre, du nombre 13. Alors, Bernard a peur de quoi? Il a peur de quelque chose. Moi, je dirais 13, mais bon, après, je suis pas sûre. Hein. Pas obligé de me suivre. Hein. Eh ben, on te suit pour celle-là, au moins. Quel est le nom du diamant convoité par Médusa? L'œil du bayou, l'œil du diable ou l'œil du pirate? Je dirais le bayou parce que... Après, je ne suis pas sûre, mais bon. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a autour de nous des alligators. Donc, c'est pas loin du bayou aux États-Unis, dans les fleuves. Comment s'appelle l'ours en peluche de Penny? Teddy. Bibou, Teddy ou Winnie? Teddy. Bah Winnie, c'est Winnie l'ourson, c'est la référence, hein, je pense. Ouais. Alors, on nous inculque une valeur, c'est quoi? Valeur. Que ce soit des souris ou une enfant, la taille ne détermine pas le courage. Donc voilà. Alors, nous sommes aux trois là-haut, on remonte. Intelligente. Alors, les souris utilisent une intelligemment de petits objets des humains. Savez-vous lesquels? A. Le tapis à l'entrée de la SOS Society et... Une écharpe rouge, une cravate rouge. Une écharpe rouge, non. Je sais pas, je dirais une cravate, mais bon. Une cravate, ça fait pas vraiment un tapis. Ah, c'est des souris, hein. Moi, je dis écharpe, ils vont se prendre les pieds dedans, mais bon, tu fais comme tu veux. Moi, j'aurais mis une cravate. Chacun son tour. Pour aller chercher le message de Penny à l'intérieur de la bouteille, Bernard utilise un pen ou une échelle. Une échelle. Si je m'en rappelle bien. Qu'est-ce qui sert de siège pour le voyage de Bernard et Bianca sur l'Albatros? Une boîte de sardines. Ou une boîte d'aliments. Et enfin... Là, nous avons la réponse. De où ça? Sur le petit oiseau. Ah oui, ok. Et là, qu'est-ce que c'était quoi? Attends, je ne l'ai pas dit. L'estrade du... Président. De la SOS Société est formée de... Fourchette ou de crayon? Crayon. Et toi? Ben, on va mettre crayon, de toute manière. Et on pour m'aider. C'était sur deux ponts. Et enfin, dernier exercice. Alors, la 4. Relier donc, chaque phrase dialogue. Relier chaque phrase au personnage qui la prononce. Je n'ai plus l'âge de jouer au chat et à la souris. Hein? Le starter. Non, ah. C'est la et A. Et non, parce qu'on sait pas si c'est le klaxon. B. Vous n'avez pas la manière avec les enfants. L'important est de gagner leur confiance. Ça doit être Médusa, non? Ouais. C'est vous le patron. Patron. Et eux, quelle pollution. Mais regardez où vous allez. Ah là, nous avons Bernard, Médusa, Orville, Rufus et Snoop. Alors, pour je n'ai plus l'âge de jouer au chat, on va dire Rufus. Vu qu'on avait mis le chat pour Rufus. Ouais. Après, le starter et non le klaxon. Après, nous avons quoi? C'est vous le patron. Quelle pollution. Mais regardez où vous allez. Bernard. Pas Bernard, ça. Ouais, il me semble. Hein, parce que lui, il est splendide. Et Snoop, j'aurais dit le c'est vous le patron. Et l'autre, c'est quoi? Orville. Orville, le Orville klaxon. On a dit que le klaxon. Orville, ouais. Parce qu'il avait des lunettes en plus. De... Ouais. Et donc, voilà. Bon, on va faire notre... Donc, regardez, restez on là. On va recorriger. Donc, on vise au moins 7 points pour ne pas être dans le pire. Bon. Le premier exercice, c'est où? On est page là. Les oui, il y a la réponse derrière, donc on peut regarder. Donc, c'était bien deux alligators pour la première question, le quiz. Quels animaux sont? On va lire. Donc, un point. Déjà, on n'aura pas 0. Ensuite, relier les images au... Prénom. Le premier, c'était Orville. Ok. Bonne réponse. Le deuxième, c'était Néron et Brutus. Bonne réponse. Le troisième, le petit, c'était Evandrul. Je crois que c'est un sans faute. Hein. Ouais. Penny. Médusa. Médusa et Rufus. Ok, ben... 3 sur 3. Donc 4 sur 4. Le deuxième.
On le avait petit mis QCM. A et la troisième réponse. Le A, c'était Bernard a peur du nombre 13. Ouais. Ah, bonne cool. réponse. C'était vraiment le hasard. Le 2, c'était l'œil du diable. Là. On a faux. C'est faux. Et le 3, c'était Teddy. Ah, cool. 1 sur 1,5. C'est pas mal, hein? Ouais. On va peut-être... Non, pas battre Cendrillon, parce qu'on a eu 9,5, je sais pas comment on a fait, mais... Alors, c'était une cravate, malheureusement. Ah, qui c'est qui avait raison? C'est toi. C'était bien. Mais je l'ai jamais vu, j'ai fait au hasard. C'était pas une échelle, c'était un peigne. Ah, voilà, tu vois, on est quitte. C'était une boîte de sardines et les crayons. J'ai dit au pif et c'était ça. Voilà, 1 sur 2. Et enfin, l'exercice le plus compliqué... Rufus a dit « Je n'ai plus l'âge de jouer au chat et à la souris. » Ok. Ça, c'est bon. Bernard a dit « Le starter et non pas le klaxon. » Donc ça, c'est faux. Médusa a dit « Vous n'avez pas la manière avec les enfants. L'important est de gagner leur confiance. » Donc ça, c'est bon. Orville a dit « Quelle pollution, mais regardez où vous allez. » Donc non. Et Snoop a bien dit « C'est vous le patron. » Patron. Voilà. Ok. Donc 3 sur 5. 2 erreurs. 1,5. Alors ça nous fait un total de 1, 2, 5, 6, 7,5. Ah, c'est pas mal. 7,5. Pour ouais, un vieux dessin animé de 1977. Eh oui. Bah, si vous l'avez pas vu, on vous le conseille. Il est quand même sympathique. C'est vrai qu'à sa sortie, il est passé un petit peu inaperçu. Bah ouais, bah moi j'en avais déjà entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Eh bah ça sera l'occasion, on a le DVD. Et donc 7,5, c'est très bien. Donc on va noter, on va répertorier ça. On a battu les Aristochats de la dernière fois, on avait fait 7. Ouais. Et donc la prochaine fois, on aura La Petite Sirène. Ça sera sûrement cet été, parce que du coup, il n'y a plus de vacances avant cet été. Donc, si vous voulez nous retrouver, bah suivez-nous encore jusqu'à cet été. Et d'ici là... On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de vacances. Bonne fin de vacances.